إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Nous le louons, nous implorons son secours et lui demandons pardon. Et nous recherchons refuge auprès de lui contre les maux de nos âmes ainsi que ceux de nos mauvaises actions. C'est lui qu'Allah guide, personne ne peut égarer. Et celui qu'il égare, nul ne peut guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration à part Allah. Seul, sans associé. Et j'atteste que Muhammad est son serviteur et messager, qu'Allah le couvre d'éloges et du salut, ainsi que sa famille et ses compagnons, de même que tous ceux qui le suivront sur le droit chemin jusqu'au jour du jugement dernier. Je prie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse être du nombre de ces derniers. Ceci dit, chers frères et sœurs en islam, comme annoncé, nous allons étudier, incha'Allah, le chapitre relatif au jeûne du mois béni de Ramadan, du livre intitulé « Kitab al-Fiqh al-Muyassar fi dhu'il kitab wa sunnah », le livre de la jurisprudence simplifiée à la lumière du Coran et de la sunnah du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous rappelons ici que ce livre a été composé par un groupe de gens de science, et ce, sous l'égide de l'honorable Cheikh Saleh ibn Abdelaziz al-Cheikh Hafidahullah, une personnalité qu'on ne présente plus. Dans cette introduction, nous allons revenir sur trois points importants. Le premier point consistera à répondre à la question « Pourquoi ce livre ?» Parce qu'il faut bien qu'en étudiant ce livre, puisqu'il existe une multitude de livres dans le fiqh, que nous sachions pourquoi est-ce que le choix a été porté sur ce livre. Dans le deuxième point, nous allons parler de l'importance de ce genre de cours, de ce genre d'assises. Nous allons expliquer ce pourquoi, à l'approche de chaque Ramadan, les savants de l'islam, les étudiants en sciences, ainsi que les prédicateurs multiplient les cours, les assises sur les questions relatives au jeûne du mois béni de Ramadan. Et au troisième point, nous allons revenir sur le verset du jeûne où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya ayyuhal ladhina amanu, kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqoon. » Oh les croyants, on vous a prescrit as-siyam, c'est-à-dire le jeûne, comme Allah prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Donc, Inch'Allah, voilà les trois points que nous allons traiter dans cette introduction. Et si le temps ne nous permet pas d'aller jusqu'au troisième point, nous y reviendrons, Inch'Allah, lors de la prochaine assise. Alors, pourquoi ce livre? La réponse, c'est qu'en réalité, la motivation, c'est le caractère remarquable en son genre de ce livre. Parce qu'en réalité, il se distingue par son style simple et clair.
ce qui permet donc aux étudiants en sciences d'en tirer profit, ainsi qu'au commun des musulmans. Donc c'est vraiment un livre adapté à toutes les couches. Tout le monde en tire profit. Et le cheikh Saleh Ali, cheikh Hafidhahullah, dans son introduction, a fait allusion à ce point. Donc voilà qui nous a motivés de porter le choix sur ce livre comme support de cours. Maintenant, pour ce qui est du deuxième point, quelle est l'importance de ce genre d'assises? Pourquoi est-ce que nous devons prendre cette assise et toutes les assises qui vont dans le même sens, qui ont le même objectif et qui permettent aux musulmans de connaître leur religion? Pourquoi est-ce que nous devons prendre ce genre d'assises au sérieux? Parce qu'en réalité, si Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, c'est pour un but noble, l'adorer, comme il l'a dit dans le verset, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est un but noble, mais en réalité, on ne peut concrétiser ces buts que si on apprend sa religion. On ne peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit que si on connaît déjà l'acte d'adoration prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala, que si on sait comment accomplir cet acte et comment faire pour que cet acte soit agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les choses qui nous permettent de comprendre l'importance de ce genre d'assises, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit, et c'est au moins 17 de lire Sourate al-Fatiha chaque jour, et c'est au moins 17 fois par jour. Et dans cette sourate, nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sur le chemin droit. Ihdina sirat al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Sirat al-ladhina an'amta alayhim. La voie de ceux que tu as comblés par tes bienfaits. Ghayr al-maghdoubi alayhim wa al-dhalim. Et non ceux qui ont encouru ta colère, ni ceux qui se sont égarés. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit de rechercher refuge auprès de lui. Contre ces deux voies, la voie des al-maghdoub alayhim, ceux qui avaient encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-yahoud, et ce, parce qu'ils ne mettaient pas en pratique ce qu'ils connaissaient. Et Abdalin, les égarés, An-Nasara, c'est ceux qui adoraient Allah subhanahu wa ta'ala avec ignorance. Nous remarquons donc ici que ces deux voies, en réalité, nous expliquent ce que c'est que la voie droite. C'est la voie de la science et de la mise en pratique. C'est la voix de ceux qui ont compris ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les a créés,
l'ont étudié et l'ont mis en pratique. Et les deux voies qui s'opposent à cette voie droite, c'est la voie de ceux-là qui savent ce pourquoi ils ont été créés. Connaître ceux-là qui connaissent cette chose, mais sans la mettre en pratique. Ça, c'est la première voie qui s'oppose à la voie droite. Et la deuxième voie, c'est la voie des égarés. Et les égarés ici, ce ne sont pas ceux qui n'ont pas adoré Allah subhanahu wa ta'ala, il faut bien le comprendre. Mais ce sont ceux qui ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala avec ignorance. فَالنَّصَارَ مَا ضَلُّوا لِأَنَّهُمْ لَمْ يَعْبُدُوا اللَّهِ وَإِنَّمَا ضَلُّوا لِأَنَّهُمْ عَبَدُوا اللَّهِ عَلَى جَهْلٍ فَوَقَعُوا فِي الشِّرْكِ وغيره من القبائح. Donc, les Nasara ne se sont pas égarés parce qu'ils n'adoraient pas Allah, mais parce qu'ils ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala avec ignorance, et l'ignorance les a donc conduits au polythéisme, à l'association, naam, à l'association, et à beaucoup d'autres mal. Et ce qu'on retient ici, c'est qu'il se peut qu'une personne adore Allah subhanahu wa ta'ala et que malgré cela, qu'il soit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala du nombre des égarés. C'est celui-là qui adore Allah subhanahu wa ta'ala dans l'ignorance, qui ne cherche pas à s'instruire dans sa religion. Et c'est pour cela que dans le hadith de Anas ibn Malik radiallahu anhu, qui a été rapporté par Ibn Majah, qui est un hadith authentique, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: Man yuridillahu bihi khayran طلب العلم فريضة على كل مسلم. La recherche de la science est une obligation à tout musulman. طيب. Nous savons tous que la science est très vaste et que personne ne peut maîtriser la science dans son étendue. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre ce hadith quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous fait comprendre que la recherche de la science est une obligation pour tout musulman? Les savants de l'islam ont répondu à cette question dans plusieurs de leurs ouvrages. Parmi ceux qui ont répondu à cette question, c'est l'imam Ibn Rajab rahimahullah, qui est mort en 795 de l'Égypte. Dans son explication du hadith de, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Al-ulama warasat al-anbiya », il a cité le hadith de Anas ibn Malik « Talab al-ilm faridatun ala kulli muslim ». Ensuite, il a dit: فإنه يجب على كل مسلم معرفة ما يحتاج إليه في دينه. Il dit, à partir de ce hadith, on comprend qu'il incombe certainement à tout musulman de connaître tout ce dont il a besoin dans sa religion. Kappahara, à l'exemple de la purification, wa salah, de la prière, wa siyam, et du jeûne. Donc, nous devons d'étudier les questions relatives au jeûne. Parce que c'est un pilier de l'islam. Le jeûne du mois béni de Ramadan est un pilier de l'islam.
Et l'imam Ibn Mubarak, rahimahullah, qui fait partie des premières générations, des générations des pieux prédécesseurs, je vous l'ai dit, parce qu'il est mort en 1881 de l'Égypte, si je ne me trompe pas. Il a été interrogé, qu'est-ce qui incombe aux gens d'apprendre obligatoirement pour ce qui est de la science? Qala, Allah yaqdim ar-rajulu ala shay'in illa bi'ilmin yas'al wa yata'allam fa hadha alladhi yajibu ala an-nas min ta'allum al-'ilm. Il dit, ce qui incombe aux musulmans d'apprendre nécessairement, c'est qu'il ne se doit pas de se lancer dans quoi que ce soit sans chercher à connaître, à apprendre les sentences relatives à cette chose, à connaître cette chose. فهذا الذي يجب على الناس من تعلم العلم. Il a dit ça, c'est ce qui incombe obligatoirement aux gens en matière de science. Vous savez, donc dit que, islamiquement, lorsqu'un musulman pose un acte d'adoration, il doit au préalable étudier cet acte en islam, les sentences relatives à cet acte. Et l'imam Ahmad rahimahullah a été interrogé. Ma yajibu ala l'insan min talab al-ilm. Qu'est-ce qui incombe à une personne d'apprendre absolument? Il a dit, alladhi yajibu ala l'insan min al-ilmi ma la budda lahu minhu fi salatihi wa iqamati dinihi. Ce qui incombe à l'homme d'apprendre nécessairement, c'est ce dont il ne peut s'en passer pour ce qui est de sa prière et de la mise en pratique de sa religion, dans sa religion. C'est donc pour ça que nous nous devons de prendre ce genre d'assises au sérieux, chers frères et sœurs en islam. L'imam Muhammad ibn Hussein al-Ajuri, rahimahullah, il dit dans son livre Fardu Talab al-Ilm, Kitab Fardu Talab al-Ilm, l'obligation de la recherche de la science, après avoir cité le hadith de Anas précédemment cité, la recherche de la science est une obligation pour tout musulman, il a dit, فإن قال قائل فإن العلم كثير لا يدركه كل أحد فكيف يفرض على كل مسلم طلبه قيل له. Et si une personne disait, mais la science est vaste et personne ne peut la maîtriser dans son étendue, alors comment est-ce qu'on peut comprendre qu'il soit obligatoire à tout musulman de rechercher la science? Il a dit, Al-ilmu ala wujuhin kathira. La science est de plusieurs catégories. Faminhu ilmun la yasa'u al-muslimu jahlahu. Ghaniyan kana ou faqiran, sahihan ou zaminan, حرا أو عبدا إذا كان عاقلا بالغا في كل وقت وفي كل زمان مما ينبغي أن يكون مصحوبه في الحضر والسفر وعند كل حال. Il dit, la science est de plusieurs catégories. Il y a parmi ces catégories une catégorie dont il n'incombe pas aux musulmans d'en être ignorant.
fussent-ils riches ou pauvres, bien portants ou malades, libres ou esclaves, à partir du moment où ce musulman jouit de toutes ses facultés mentales et à partir du moment où il est pubère, alors cette catégorie de science lui incombe obligatoirement en tout temps et en tout lieu. Et se doit de lui tenir compagnie. En situation de résidence, comme pendant le voyage, et en toute situation. Il a cité les différents points qui entrent sous cette catégorie. Et parmi ces points, il a dit wa ilmu ma arifatima buniya alayhi al-islam. Il y a parmi les sciences qui entrent dans cette catégorie, c'est la connaissance de ce sur quoi l'islam a été bâti. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam buniya al-islam ala khamsin. Le prophète Mohammed sallam a dit l'islam a été bâti sur cinq piliers, et parmi lesquels le jeûne du mois béni de Ramadan. Et comme nous le disions, ceci nous montre l'importance de ce jihad d'assises où on traite des questions relatives au jeûne du mois béni de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous a fait comprendre quelque chose d'une importance capitale auquel nous nous devons de nous attacher, l'instruction spirituelle. Dans le hadith de Muawiya ibn Abi Sufyan radiallahu anhu, il dit سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حديث rapporté par Bukhari et Muslim. Dans ce hadith, Muawiya ibn Abi Sufyan رضي الله عنه dit j'ai entendu le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم dit c'est lui pour qui Allah subhanahu wa ta'ala veut le bien, il l'instruit en religion. Il en fait de lui une personne instruite. Quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous fait ce genre d'annonce, c'est pour que celle-ci suscite en nous l'envie de rechercher la science. Parce que pour bénéficier de ce grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut faire ses preuves. Il faut montrer qu'on veut. Il faut aspirer à ce mérite. Et c'est comme nous avons dit, quand on prie chaque jour et dans notre prière, dit ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. Si on le fait et après croiser le bras, sans chercher à connaître ce que c'est que ce droit chemin, sans faire les causes, on est en réalité comparable à une personne qui prie qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde une progéniture pieuse sans jamais songer à se marier. Donc, nous devons défaire les causes. Nous devons d'aspirer à ce mérite. Qui est celui-là qui ne veut pas être du nombre de ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut le bien, à qui Allah a voulu le bien? Allah nous a fait cette annonce à travers son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui pour qui Allah subhanahu wa ta'ala veut le bien. Allah l'instruit en religion. Taïb. Dans le verset, Allah dit « وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا
Ceux qui se battent sur notre sentier, nous allons les guider sur notre chemin, sur nos chemins. Donc, celui qui emprunte le chemin de la recherche de la science, qui cherche à s'instruire comme il se doit, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera et il sera compté parmi ceux pour qui Allah subhanahu wa ta'ala a voulu le bien. Et c'est pour ça que nous devons d'apprendre notre religion. C'est pour ça qu'avant d'entamer le mois béni de Ramadan, nous devons de suivre minutieusement les cours dispensés. Pas uniquement par Youssouf Ramadan, mais par tous ceux qui sont connus pour avoir étudié, qui font l'effort de rester sur la voie des plus prédécesseurs, ceux-là même qui puisent leur science dans la révélation, sur le Coran et la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui ont été éduqués par les savants de l'islam. L'imam Al-Ajuri, rahimahullah, après avoir cité le hadith de Muawiyah ibn Abi Sufyan, Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi d-din, il a dit: فإن قال قائل كيف صفة من يفقهه الله عز وجل في دينه حتى يكون ممن أراد الله تعالى به خيرا parce qu'en réalité le croyant normal, le musulman qui aspire au mérite promis par Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il écoute ce genre de hadith, c'est cette question qu'il se pose automatiquement: quels sont les traits et caractéristiques de celui Allah subhanahu wa ta'ala a instruit en religion? Qu'est-ce qui caractérise cette personne? Afin qu'on sache comment faire pour faire partie de ceux pour qui Allah subhanahu wa ta'ala a voulu le bien. Qila, il dit, on lui répondra: Huwa al-muslimu alladhi qad alima anna Allah azza wa jal qad ta'abbadahu bi ibadat. C'est le musulman qui a su qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu serviteur à travers l'adoration, a fait de lui un serviteur à travers l'adoration. Aujaba alayhi an yatakarraba biha ila Allah azza wa jal. Adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a prescrit, et ce de manière obligatoire, de se rapprocher de lui à travers elle. Donc c'est le musulman qui a compris qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de lui un serviteur, et ce à travers l'adoration. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a rendu obligatoire de se rapprocher de lui à travers ses adorations. Kama amarahu biha, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit de se rapprocher de lui à travers ses adorations comme lui, Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit. La kama yuridu huwa, et non comme lui il le veut. Et c'est pour ça que nous devons abandonner l'indiscipline. Parce que il faut dire la vérité, l'indiscipline règne aujourd'hui dans le comportement des musulmans, dans l'adoration des croyants. Et ce n'est pas normal. C'est de l'insouciance. On n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala comme on veut, comme on aspire, mais on adore Allah subhanahu wa ta'ala tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit. Et c'est pour ça qu'il faut accorder de l'importance à l'apprentissage. Wallahi, wallahi alladhi la ilaha ghayru. Le plus important, ce n'est pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il faut. C'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit.
Dans un hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, فَرُبَّ صَائِمْ. Il se peut qu'un jeûneur n'ait de son jeûne, n'ait profité de son jeûne que de la famine et de la soif. فَرُبَّ صَائِمْ حَظُّهُ مِنْ صَوْمِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ. Ou comme a dit sallallahu alayhi wa sallam, il se peut qu'un jeûneur, qu'une personne qui a jeûné, n'ait de son jeûne que al-jour, la famine et la soif. Et qu'au-delà de ces deux, qu'il n'ait rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce genre de hadith devrait susciter en nous de la peur et nous faire comprendre le danger de s'aventurer à adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans au préalable apprendre cette adoration qu'on veut vouer à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas vouer à Allah quelque chose qu'on ne connaît pas. Et il faut faire la différence entre savoir que le jeûne est un acte d'adoration, alhamdoulilah. Les musulmans du monde entier savent que le jeûne était un acte d'adoration, que c'était un pilier de l'islam. Il faut faire la différence entre savoir ceci et connaître ce que c'est que le jeûne. Connaître cet acte d'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Voilà pourquoi Imam Al-Ajuri dit, c'est ce croyant qui a compris qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait serviteur à travers des actes d'adoration qu'il lui a prescrits, de se rapprocher auprès de lui à travers celle-ci, comme lui, Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit et non comme lui, il le veut. Walakin ma ujab Allahu ilmuhu alayhi. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut que nous l'adorons comme il nous a prescrit de le faire. Donc, nous devons de bâtir nos actes d'adoration sur la connaissance. C'est très important. J'insiste là-dessus, ya ikhwa. Parce que si nos actes d'adoration ont perdu leur spiritualité aujourd'hui, c'est à cause de cette indiscipline, de cette insouciance. Combien de musulmans payent la zakat, mais sans ressentir cette purification que devait ressentir le croyant lorsqu'il s'acquitte de cet acte d'adoration. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset, الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui dépensent leur bien dans le sentier d'Allah sans faire suivre leur largesse ni d'un rappel ni d'un tort auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Voilà ceux qui auront leur récompense. Mais beaucoup de personnes, par ignorance, s'acquittent de la zakat. C'est-à-dire, ils payent la zakat à celui à qui ils se doivent de le payer. Parfois, le font au moment opportun. Mais ensuite, font suivre cette zakat par le rappel et le tort qui annule la récompense, qui les empêche de bénéficier de la purification auquel ils devraient bénéficier à travers cet acte d'adoration. Wallahu al-musta'an. Allah subhanahu wa ta'ala dit, خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Prélève de leurs biens une sadaqa,
par laquelle tu les purifies et les bénis et prie pour eux. Ta prière est une quiétude pour eux. Mais combien de personnes parmi nous s'acquittent de la zakat sans ressentir des effets de cette purification, alors qu'ils se sont acquittés de la zakat? Combien de personnes parmi nous accomplissent la prière, mais sans ressentir les manifestations de la prière, telles qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le verset. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Wala dhikrullahi akbar. Wallahu. Na'am. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Wala dhikrullahi akbar. Allah subhanahu wa ta'ala dit: certes, la prière met entre l'homme et les turpitudes et les péchés une barrière. Combien de personnes parmi nous prient sans ressentir la présence de cette barrière? Il faut qu'on se pose des questions. C'est à cause de cette indiscipline, parce que nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala comme nous voulons. Nous n'étudions pas notre religion. Nous n'apprenons pas notre religion et nous n'étudions pas un acte d'adoration avant de le mettre en pratique. Wallahu musta'an. Et c'est cette indiscipline qui faisait pleurer les pieux prédécesseurs. Un jour, Imam Az-Zuhri, rahimahullah, est entré à Damas chez le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Anas ibn Malik, et ce, après la mort du prophète Mohammed sallam, des années après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il a trouvé Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, en train de pleurer. Il lui a dit: qu'est-ce qui t'a fait pleurer? Et Anas radiallahu anhu de lui répondre: La a'arifu shay'an mimma adraktu illa hadhihi salah wa hadhihi salah qad bu'i'at. Il dit: je ne reconnais plus rien de ce que font les musulmans aujourd'hui comme adoration, si ce n'est la prière. Et même cette prière, ils l'ont perdu. Pourquoi? Parce que les gens, ces personnes ne partaient plus sur les mêmes bases que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceux-là qui étudiaient leur religion, qui, avant de poser un acte en islam, cherchaient à comprendre comment est-ce que cet acte se doit d'être posé. Quelqu'un est entré dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il l'a prié. Et j'aime rappeler ce hadith. Trois fois, et à chaque fois, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui disait: retourne prier car tu n'as pas prié. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Et à la fin, il a dit: Ya Rasulallah, ma uhsinu ghayraha fa'allimni. Ô noble prophète, je ne maîtrise pas une prière autre que celle que tu m'as vu prier. Enseigne-moi. Enseigne-moi la prière. C'est ça la voie de l'islam. Il se peut que celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala sans étudier, sans chercher à connaître cet acte qu'il voue à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il n'y ait aucune récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il soit inscrit, comme nous l'avons dit, parmi les égarés. Parce qu'il n'est pas permis d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Voilà pourquoi chacun d'entre nous se doit, à l'approche du Ramadan, de sortir de cette insouciance, d'emprunter la voie de la discipline, qui est celle de l'apprentissage avant la mise en pratique. Et il y a un autre aspect, c'est que ce Ramadan arrive dans un contexte particulier. Wallahi, c'est lui
qui n'a pas appris de l'épreuve que nous sommes en train de subir, qui n'a pas compris que nous devons de nous réformer, d'abandonner l'indiscipline et l'insouciance et de nous ranger. Ce que cette personne, comme je l'ai souvent dit, se doit de pleurer, de faire ses funérailles, parce qu'en réalité, c'est là une personne morte. Parce que quand on n'a pas de cœur, on est déjà mort. Si, avec cette pandémie, nous n'avons pas compris que nous nous devons de nous ranger, de prendre la position qui est la nôtre, qui est celle du serviteur que nous sommes, et de nous soumettre comme le serviteur se doit de se soumettre à son maître, à son créateur, et de ne faire les choses que comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit, que comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné, que comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut, si nous n'avons pas compris, il y a problème. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. Parce qu'à la base, les épreuves, c'est aussi ça son rôle. Qu'Allah Allah ta'ala. Ou alors c'est aussi ça leur rôle. Qu'Allah Allah ta'ala. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Parce que nous ne sommes là qu'en train de goûter une partie, nous ne goûtons qu'une partie de ce que nous avons œuvré. Peut-être reviendront-ils vers Allah. La'allahum yarji'oun. Ayyuha al-Muslim, hein anta min hadhihi al-aya. Où es-tu croyant? Quelle est ta situation par rapport à ces versets? Wa Allah subhanahu wa ta'ala, la'allahum yarji'oun. Peut-être reviendront-ils vers Allah. En toute chose, en commençant par l'adoration qui est le but de la création. C'est ça le but de notre existence. C'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc parmi les corruptions que nous avons commises, c'est la corruption que nous avons commise dans la religion. Et parmi les formes de corruption commises dans la religion, c'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec ignorance. C'est le manque de discipline dans l'adoration. Et sachant que si Allah subhanahu wa ta'ala s'en prenait à nous en fonction de nos injustices, wallahi, on n'existerait plus. Qu'Allah Allah ta'ala, wa rabbuka al-ghafur dhu-rahma. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب وفي آية لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. Et si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils acquièrent, il ne laisserait à la surface de la terre aucun être vivant. Naam. Si Allah subhanahu wa ta'ala s'en prenait en nous, en fonction de nos actes de corruption, ne serait-ce qu'en matière d'adoration, wallahi, peut-être qu'on n'existerait plus. Et ça se voit que nous avons fait fort. Et il faut qu'on l'admette et que chacun travaille pour la réforme de sa propre personne. Parce qu'il n'est pas normal. Qu'on demeure dans cette situation. Il n'est pas normal qu'on continue
d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme chacun entend, comme chacun le veut. Il n'est pas normal qu'on continue dans cette indiscipline. Que chacun s'aventure à se prononcer sur les sujets religieux. Et que les musulmans accordent le crédit à n'importe qui. Qu'on évolue comme ça. Nous devons de nous repentir et de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et de nous ranger. Wallah al-musta'an. Donc, en définitive, nous devons d'accorder de l'importance à ce genre d'assises. Et nous nous devons de suivre ce genre de cours minutieusement afin d'aborder le Ramadan comme il se doit. En toute quiétude, en toute connaissance de cause, parce que ce n'est que comme ça que nous pourrons jeûner comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné. Ce n'est que comme ça que notre jeûne pourra être agréé par Allah subhanahu wa ta'ala, car il est impossible qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit si au préalable on ne connaît même pas l'acte voué à Allah subhanahu wa ta'ala, si on n'a pas de connaissance relative à l'acte qu'on prétend vouer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme je l'ai dit, il faut faire la différence entre reconnaître que le jeûne du mois béni de Ramadan est un pilier de l'islam, est un acte d'adoration, et connaître ce que c'est que le jeûne. Et c'est ce que nous allons essayer de développer à travers au cours de ces assises. Je prie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse être du nombre de ceux qui écoutent la bonne parole et la mettent en pratique. Et je rappelle qu'au prochain coup, nous allons revenir, inshallah, sur le verset « Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun » Et ce n'est qu'après cette introduction que nous allons entrer dans le livre. « Hada wallahu a'la wa a'lam » وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين